formidable. Hein? Je te dis, ça, c'est formidable. Ah bon? Tu sais de quoi je veux parler? Non. La Joconde. Ah oui. On se demande maintenant si elle est vraie ou fausse. Ah bon? Qu'est-ce que tu en penses? Ouf! Oh, je m'en fous! Quoi? Ben oui, je m'en fous! Ah, naturellement, comme toujours, monsieur se fout de tout. Devant les pires catastrophes, monsieur n'a qu'un seul mot, m'en fous! Oh, ben les pires catastrophes, mais n'exagérons rien, ma chérie. Je suis navré que la Joconde soit fausse, mais je t'avoue sincèrement que cette horrible nouvelle n'altérera en rien la quiétude de mon sommeil. Je n'en doute pas. Tu es assez égoïste pour ça. Ainsi que nous perdions un de nos plus beaux trésors nationaux, ça ne t'émeut pas. Oh, écoute, je t'en prie, je travaille, hein. Oh, tu travailles, tu travailles. Parlons-en de ton travail. Et tu n'hésites pas une seconde entre la Joconde et tes petites gaudrioles. Oh, mes petites gaudrioles, comme tu le dis si gentiment. Mais je te rappelle quand même que ce sont mes petites gaudrioles qui t'ont permis de t'offrir le confort dont tu jouis aujourd'hui. Oh, je ne te fais pas dire. Je jouis d'un confort de gaudriole. Bon, et ça suffit, hein. Monsieur se croit peut-être poète. Oh, je t'en prie. Oh, et quelle poésie. Où pourrait-on manger encore mieux que chez soi? Oh. Si ce n'est aujourd'hui chez Julien Damois. Ah non, 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 non. On dit Julien Damois. Parce que Julien Damois, bah, la rime et le vers est faux, hein. Ah bon? Et la Joconde aussi est peut-être fausse. Et ça ne te préoccupe même pas. Oh, la Joconde, ce n'est pas moi qui l'ai faite, hein. Bah, évidemment non. Sans ça, tu t'appellerais Rembrandt. Rembrandt? Bah oui, Rembrandt. Oh bon? Bah, tu ne connais pas Rembrandt. Tu ne connais même pas Rembrandt. Oh, tu ne connais rien. Ah, je connais certainement Rembrandt mieux que toi, hein. Tu vas peut-être me dire que c'est un de tes amis intimes. Non, mais je le connais suffisamment pour ne pas voir le rapport qu'il y a entre la Joconde et Rembrandt. Tu ne vois pas le rapport? Quand je te dis que tu n'y connais rien, c'est lui qui l'a peint. Rembrandt? Bah oui, Rembrandt. Oh, ma chérie, oh. Tu bouleverses d'un seul coup toutes les croyances artistiques, car depuis des siècles et des siècles, on attribue bien la Joconde à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci? Parfaitement, Léonard de Vinci. Mon pauvre ami, n'insiste pas, reste-en avec tes vers de Mirliton, mais ne viens pas discuter là. Oh, je vais pas discuter là. Ah, tu fais bien. Oh. Léonard de Vinci. Comment? Je pense à ce que tu m'as dit pour Léonard de Vinci et la Joconde. Ah, tu te rends compte, ma petite chérie, que j'avais raison. Oh, raison, raison. Il faut être ignare comme toi pour oser soutenir de telles insanités. Oh. Tout le monde sait bien que la Joconde est de Rembrandt. Oh, non. La Vénus est de Milo. La Victoire de Samothrace. Oh. Et l'Angélus de la mer. Oh non! C'est l'Angélus de Millet. L'Angélus de la mer, c'est une chanson. Oh, idiot! Bon, 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 allez, n'insistons pas, allez. Allons-y. La Joconde est de Rembrandt. Oh, mais je suis sûr de ce que j'avance. Et je n'ai nul besoin que tu me fasses des concessions. Oh, je ne te ferai pas de concessions. Comme d'habitude, tu ne me ferais même pas la plus petite concession. Mais... tu ne me cèdes jamais rien. C'est toujours la même chose avec toi. Mais écoute. Oh, je vois bien que tu ne m'aimes plus, là. Oh, mais écoute. Écoute, mon petit. Tu sais bien que je t'adore toujours, hein. Et je suis même prêt à soutenir devant Dieu et les hommes que la Joconde est de Rembrandt. Maintenant, si tu veux qu'elle soit de Vendongen, elle est de Vendongen. Si tu veux que c'est Fujita qui en est auteur, bah c'est Fujita qui l'a signé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu te paies ma tête par-dessus le marché. Oh, bien sûr, je ne suis pas une femme supérieure, moi. Je ne fais pas de vers, moi. Je n'ai pas écrit, moi. Pour bien se rafraîchir par les temps les plus chauds, consommez sans tarder les bons boulets Bernaux. Oh non! Écoute, n'escante pas mes œuvres. Écoute, écoute. Quand la nature a mis de neige son blanc manteau,
consumer sans tarder les bons boulets Bernaud. Ou mieux encore, pour se rafraîchir par les temps les plus chauds, consommer sans tarder un bon et délicieux Bernaud. C'est la même chose. Oh bon. Enfin, puisque tu ne m'aimes plus, je sais ce qu'il me reste à faire. Oui. Parfaitement. Tu vas te tuer. C'est ça. Mais tu assumes que tu veux ma mort. Oh non, coup, je n'ai rien dit. Non, non. De diable, mais quand même. Je retourne chez ma mère. Mais tu vas pas faire ça. Tu vas voir. D'ailleurs, elle ne sera pas surprise de me voir, la chère femme. Vraiment? Certainement. Il y a assez longtemps qu'elle m'a dit, fine comme tu l'es, jamais tu ne t'entendras avec ton imbécile de mari. Oh! Elle a dit ça, ta mère? Oui, et elle s'y connaît, elle. Elle en a eu trois. Oh! Elle a vraiment dit ça, ta mère? Écoute, n'insulte pas ma mère. Oh, mais je n'ai rien dit. Oser insulter une si digne femme. Muf! Tu n'es qu'un muf! Oh, bah ça, alors! Je comprends tout, maintenant. Tu te moques de mon intérieur. Tu prends la maison pour un hôtel. Monsieur rentre chez lui que pour manger, boire et dormir. Oh, quoi? Et tu vas courir les cafés, que sais-je? Oh non, mais écoute! Tu voudrais que je reste seule à te raccommoder tes chaussettes? Oh. Et tu voudrais continuer à aller t'amuser avec tes copains? Eh bien, écoute-moi bien. J'en ai assez de cette vie-là. Moi aussi, je veux m'amuser. Moi aussi, je veux recevoir mes amis. Moi aussi, je veux vivre la vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je ne resterai pas une seconde de plus sous le toit d'un homme qui ne s'est marié que pour économiser une femme de ménage. Oh, mais tu es formidablement de mauvaise foi. Je m'en vais. Bon. Bon. Je m'en vais. Bon. Tu n'as rien à dire? Non. Tu me mets à la porte? Ah non! Non, non. Je ne te mets pas à la porte! Tu veux partir? Tu pars, c'est tout! Bien. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Oh. Tu ne fais rien pour me retenir. Bien. Adieu. Oh. Adieu. Oh. Oh, et puis, ça serait trop bête. Ah, c'est bien ça, hein. Tu serais bien trop content que je m'en aille. Tu pourrais transformer notre gentil petit intérieur en un infâme tripot. Un tripot? Ce serait du pop. Ma mère avait bien raison quand elle me disait de me méfier. Et dire que j'ai été dupe aussi longtemps. Je ne m'étais pas aperçu que tu dilapidais ma dot avec ce vice affreux. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais où vas-tu chercher tout ça? N'essaie pas de nier, gangster. Oh, ben ça c'est le bouquet alors. Oui, c'est le bouquet. Et tu n'as même pas un mot pour te défendre, rien. Ton silence est un aveu. Mais je suis malheureux. Écoute, ma petite chérie, tout ce que tu m'as dit était tellement ridicule que je n'éprouve même pas le besoin de me défendre. Mais maintenant, si tu prends tes paroles au sérieux, je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que je n'ai vécu pour notre bonheur à tous les deux. Mais tu ne m'aimes pas. Ah non, je t'adore. Oh. Maintenant, me voilà tout à fait rassurée. Ah. Va travailler gentiment, je ne te dérangerai plus. Eh ben, quand même. Bise! Bise! Chérie! Quoi? Tu es sûre de ce que tu m'as dit pour la Joconde? Oh non, je t'en prie, ma chérie, ne recommençons pas, hein! Non, mais je pense que j'ai pu me tromper. Oh, oui, mais ça arrive à tout le monde. Maintenant que t'es devenu raisonnable, veux-tu que je te dise que j'avais raison? Si tu veux. Tiens, hein? Le dictionnaire est infaillible. Si le dictionnaire dit que la Joconde est de Léonard de Vinci,
Le croiras-tu? Oui, fais voir ton dictionnaire. Ah, bouge pas. Voyons. Voyons. Vin, Vinas. Léonard, Vinci, ah voilà. Vinci, Léonard, célèbre peintre italien, parmi ses chefs-d'œuvre, la Joconde, au musée du Louvre. Là. Fais voir. Là, la Joconde, là. Ouais. Ah. Qui c'est qui avait raison? C'est le petit homme à sa chérie. Ce qui est agréable avec toi, c'est que tu as le triomphe modeste. Ce n'est pas une question de triomphe. Ah, ma mère avait bien raison. Oui, quand elle disait que j'étais un imbécile. Non. Quand elle disait que tu étais méchant, autoritaire et que tu représentais le type même du tyran. Bah dis donc, elle en dit des choses ta mère, hein. Il y a vraiment des choses qui se perdent, hein. Quoi? Oui, des coups de pied où je pense. Oh, ça sent. Écoute, ma petite chérie. Ne m'approche pas. L'arbre bleu, l'endru. Oh. Ne me touche pas, surtout ne me touche pas. Bon, je reçois de toi, mais raisonne un peu. Tu ne crois pas que nous pourrions être parfaitement heureux et que nous nous heurtons à des histoires ridicules? Ne me touche pas. Bon. Hein? Soit toutes ces discussions sont aussi pénibles pour toi que pour moi. Je t'aime autant que tu peux m'aimer, hein? Et nous nous heurtons à des chamailleries de rien du tout, hein? Tu ne crois pas que le soir venu, tu ne crois pas, il serait infiniment plus agréable de se tenir comme ça, l'un près de l'autre, mais n'aie pas peur, hein? Tu viendrais poser ta tête sur mon épaule. Et tu t'endormirais comme une petite fille bien sage, le baiser aux lèvres, hein? Allez, essuyez ces beaux petits yeux. Voilà, hein? C'est fini. Ah, veux-tu que je te dise ce que je suis en train de faire? Oh oui. Écoute, un meuble signé Lévitant est garanti pour longtemps. Ah oui. Puis c'est bienvenu, hein. Et puis, c'est si nouveau. Oh oui, écoute, hein, tu vas rester là comme une petite fille bien sage. J'ai encore un manuscrit à terminer, là. Et après, nous irons. Oh, petite terre. Chérie? Oh. Ça s'est déjà vu des erreurs dans un dictionnaire. Oh non!